Les hôtes du gala des grands chefs de l'Estrie ont préparé un repas haut en saveur. Sabayon au cidre de pomme et poire, contre-filet de bison et même un dessert en forme de hamburger. Chaque année, les 7 chefs essaient de se dépasser. C'est notre 19e édition et il y a plusieurs chefs qui sont avec nous depuis des années. Je pense à Roland Ménard, je pense à Jean-Patrice Fournier. Et d'année en année, ils se lancent des défis. Il faut qu'ils inventent un nouveau plat pour le gala. Il faut qu'ils se démarquent par l'originalité. Les plats sont harmonisés avec les vins choisis par le sommelier Alexandre Scott. Et les producteurs locaux sont à l'honneur. Des très belles assiettes, des belles arrivages du Québec. Et puis, on essaie de travailler surtout les produits du Québec pour mettre en valeur notre Estrie, notre magnifique Estrie. On a du plaisir, puis tiens, on pousse un peu entre nous autres. Là, on a du plaisir. Aujourd'hui, ce n'est qu'une répétition. Cependant, le véritable souper gastronomique sera servi en septembre afin de récolter des fonds pour la Société canadienne du cancer, une cause qui rejoint personnellement les participants. Dans ma famille, c'est sûr que j'ai eu des gens qui sont morts du cancer. J'en ai un dernièrement aussi qui est décédé il y a quelques semaines, attribué à un cancer aussi. Et alors, naturellement, c'est sûr que ça nous... force à nous impliquer davantage vers cette cause. L'objectif cette année est de récolter 100 000 $. C'était vraiment exquis, très, très bon, original, goûteux, savoureux. Les convives qui viennent au gala savent qu'ils vont découvrir quelque chose. Ils savent que c'est un événement gastronomique exceptionnel par ce qui se passe dans l'assiette. À 225 $ du couvert, ce repas n'est pas à la portée de tous. Pourtant, les billets sont généralement tous vendus d'ici le mois de juillet. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.